Ce qui est fascinant, et moi ce qui me fascine à tous les jours quand je me réveille, c'est de voir comment les rêves qu'on reçoit, ils mettent à jour nos compétences, nos possibilités. Donc on découvre, on apprend en même temps, jusqu'à temps qu'on devienne ce qu'on peut voir en soi en termes des plus belles qualités, en termes des potentiels les plus extraordinaires qu'on a. On ne peut pas juste avoir une qualité. Il faut développer l'ensemble des qualités et qu'on veut ou veut pas, d'une certaine façon, quand on a nos rêves, nos cauchemars, on touche, on connecte à toutes ces qualités qu'on a en soi. Donc, on peut pas juste développer la patience. Il faut que tu développes la bienveillance, il faut que tu développes l'indulgence, la clémence, l'amour. Et là, la patience grandit en patience. Mais c'est comme pas possible sinon. Ça va être trop abstrait où il va manquer des informations, il va manquer des connaissances pour bien ensuite le matérialiser. Donc, un rêve, il faut comprendre, ça réactive ou ça active des compétences qu'on a en soi. Donc, c'est un concentré qu'on visite à l'intérieur de soi en termes d'informations qualitatives ou d'informations qui peuvent être distorsionnées, bien entendu, et qu'ensuite on est amené à transformer quand c'est négatif ou à intégrer positivement. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment la pratique de qui on est à travers nos rêves et la mise en œuvre de qui on est dans la matière nous amène vraiment, vraiment à grandir en termes de talent, en termes de vision, d'inspiration. On se met à trouver des idées rapidement. On fait une recherche, puis on trouve la fibre qui manquait pour que la construction fasse « waouh », qu'on ait un ensemble d'ingrédients qui fasse que la recette, elle est délicieuse. Et ça, c'est comme... Pourtant, on a tous le même ordinateur à quelque part, on peut tous accéder au même moteur de recherche, aux mêmes outils. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on construit différemment? C'est les compétences intérieures qu'on active, qu'on transforme et qu'on fait fleurir avec nos rêves.